qu'il fallait projeter une réhabilitation de l'ancienne maison à l'eau, qui est un peu plus longue. Le bâtiment ne va avoir que 60 mètres carrés exploitables. Il en fallait 230 au total, quoi. On a fait le choix d'en supprimer une partie de cette maison, à la fois pour pouvoir s'ouvrir davantage sur la rue et aussi avoir une réponse au maximum de plein pied, quoi. Et en même temps faire une extension. Donc le programme comprend la bibliothèque, oui. Une salle de réunion et à l'étage. À l'étage, oui, il y a une. À l'étage, ça peut servir de salle de réunion. Parce que c'est un établissement qui marche beaucoup avec l'école qui est derrière. Ça va fonctionner avec l'école par atelier. Les ateliers se font par groupe de demi-classe, quoi, de 15 gamins à peu près, on va dire. Donc on s'est dit qu'on allait retrouver à l'étage un atelier, notamment qui serait bon, pour une demi-classe systématiquement. Par contre, cet étage-là sera accessible de plein pied et au plus court, quoi. L'autre particularité, pardon, c'était comme on était en extension de l'école, c'est le maire, Christophe Méry, qui nous avait demandé si on pouvait rechercher aussi une extension possible de la cour d'école. Et donc là, la toiture fait office de cour d'école. Après, l'autre point qui a motivé un peu cette organisation et cette architecture, c'était le fait de chercher à casser la traversée de ce RD. Avant, ça n'avait pas été réaménagé. Mais il y avait en gros, on arrivait ici, on avait en face un grand patus, avec parking, etc. Quelque chose de très praticable, quoi, en tout cas. Et en face, on n'avait rien. On avait des grands murs, ou des murs comme ça, clôtureux, quoi. Et un gros équipement public, hein, l'école derrière. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que c'était l'opportunité de venir créer une petite séquence là, le long de cette traversée. On a eu la chance d'être retenu avec deux autres équipes, Arnal, Pierrot Lafont, Marie et Jean, Marine et Dédec. Ça, c'était le panneau concours. En fait, il fallait qu'on rende avec une petite plaquette explicative. Et donc, ce que je vous disais sur l'interprétation, enfin, du moins le parti pris urbain, c'est un peu ce qui est traduit ici avec ce pôle d'équipement hors salle des fêtes, la bibliothèque actuelle qui est au fond. Et puis notre pôle ici avec le groupe scolaire. Entre les deux, un espace vert ou parking, Et nous, voilà, on constatait qu'il y avait, voilà, ce que je vous disais, quoi, qu'il était intéressant de venir ouvrir davantage et donner accès à ce lieu. Après, les aménagements, ça a été revu, notamment avec des gens de la commission de travail de la mairie, qui s'est aussi chargé du mobilier, donc on a un peu collaboré avec eux quand même pour orienter des choix et on est assez content parce que c'est du beau mobilier qui a été retenu.